Et maladie choléra continue à saccager population avec nous Ernest Camille, un citoyen dans la zone ça, professeur journaliste. Camille, bonjour. Et bonjour Guerrier, bonjour et Johnny, bonjour tout auditeur et auditrice de Caraïbes FM, bonjour population connionnaise là. Et Guerrier Nabdou, ça a déjà fait 3 à 4 semaines depuis et gagnon situation et nous capable dire qu'a évolué dans commune Cognon déjà et pour nous capable jusqu'à présent nous pas qu'à dire est-ce que c'est choléra, est-ce que c'est pas choléra, mais ça nous connaît c'est des cas de diarrhée aiguë et qui frappe population côté et nous capable dire déjà il y a plus que 20 morts institutionnels, ça c'est mort monde qui vient dans centre santé qui pas qu'à joindre soin qui mourir mais et là n'a parlé avec ASCPO qui c'est agent et santé communautaire polyvalent à travers commune Cognon, il y a plus que 30 monde qui mourir qui pas arrivé dans stade de santé et n'a pas appelé jusqu'à journée lundi pour que jamais bien qu'une intervention qui fait bon côté autorité sanitaire au pays d'Haïti et hier seulement nous capable dire qu'il y a 5 monde qui mourir dans stade de santé c'est 20 des poules ça veut dire c'est trop et nous obligé prendre bâton pèlerin nous pour demander autorité yo di un mot pour Cognon. Nous comprenons la situation insécurité en permet pas de circulation route pas ca machine pas arriver Cognon pour porter soin matin là faut que nous c'est magistrat Paxo Amboise qui dans plateau central là dans l'hôpital du côté il a besoin de sérum pour porter Cognon mais il y a des démarches nous fait nous capable de jusqu'à présent qui prend le côté résultat nous t'ai chance de parler avec Haïti et ambulance et qui fait transport par hélicoptère yo garantit nous depuis gain nous joindre médicaments nous joindre et entrant yo prêt pour capable faire transport pour nous nous déjà félicité au cap suivre nos capitaine de nous matin et moi parler avec docteur et Benesh Martial qui dit nous il prend cette démarche dans département pour qui ça joindre c'est démarche là prendre là pour nous capable dire Haïti en ambulance qui ça nous gain qui ça capable porter mais ça qui est important et l'état important pour gagner pour autorité ou non épidémiologie al fait une enquête dans commune Cognon al fait une enquête sur cadavre al fait une enquête sur monde qui gagne virus ou bien qui infecté pour garder qui ça bagala exactement parce que jusqu'à présent majorité caillou c'est sorti dans première et deuxième section Boucan-Boapin dans zone frontalière n'a demandé pour gagner et instance concernée au faire rapidement et pas connaît le docteur Bénédicte gagne une délégation qui prêt pour monter Cognon mais pas gagne route et n'a demandé Haïti et ambulance comment ca faciliter et transport pour nous pour arriver sur le terrain parce que j'en ai regardé là il y a une bagaille qui critique là et moun yo gaille dans la cour l'hôpital là pas gain ancienne structure qui capable permettre moun ta yo même centre de santé a une situation et incontrôlable parce que pas gain équipement pour personnel et santé dans Cognon et moun yo arrivé dans centre de santé a yo a mouri pas gain docteur qui kawe parce que gain docteur Léopold dépassé par situation n'a lancé un appel vibrant par docteur Elman. Docteur Elman connaît très bien ça qui a passé dans commune Cognon lui c'est directeur centre épidémiologie lui connaît dossier Cognon très bien et gagner n'a plus on appelle by Dinepa est-ce que pour garder question de loi dans commune Cognon n'a demandé toute instance qui concerne cap tande nous dans minute ça pour mettre tant à la disposition commune parce que docteur Charles qui c'est directeur sanitaire communal là il dit nous il dépasser de la pas situation il pas connaît qui ça le bruit fait encore parce qu'il frappe porte pas rien qui fait et nous même nous prend bâton pèlerin actuellement là faut prendre c'est pour tout prince moi m'a fait des démarches pour qui ça qui capable fait parce que il y a une bagaille qui est étonnant il y a une petite mademoiselle qui était hier matin toute samedi il était en santé li crise dans l'hôpital centre de santé a li mouri n'a gardé un personnage qui t'a joué musique à accordéon dans vendredi qui rivé dans centre de santé hier li mouri situation vraiment incontrôlable n'a demandé autorité au pense à commune Cognon matin là n'a parlé Haïti et ambulance et immédiatement yo ka nous ka rentrer en contact avec on était parlé avec hier soir pour nous connaître qui ça au capoter pour nous n'a demandé docteur Benesh Martial cap tande nous et immédiatement et Instagram pas relé nous pour capable qui ça n'a fait parce que li important pour une intervention qui fait pour éviter petit à petit parce que juste un moment n'a parlé la moun qui mouri
et famille au malgré campagne qui fait famille au continue à prendre au février et dans cas ça par exemple bien cas qui gagne les portes 3 4 monde qui est en mourir là dedans pas gagne aucun pas de cas ça yo et dernier n'a tout merci parce que on a une opportunité pour lancer message ça et c'est le pays d'Haïti qui capte d'elle c'est toute instance de toute organisation toute ONG qui est vouée dans question tenter en Haïti capte d'elle nous pas dit c'est choléra nous pas on technique en la matière mais nous dit faut qu'il y ait des études qui fait sous camoun qui déjà mourir ou du moins sous monde qui déjà affecté voilà merci un peu le Camille Ernest.